tout va pour le mieux. Paul m'a fait un immense plaisir parce qu'il y a une des chansons où s'en vont nos amours perdus. Où sur la maquette, il a mis des cuivres synthés à la fin. Et je lui dis, mais là, tu me fais un plaisir parce que ça fait 10 ans que je rêve de mettre des cuivres sur un album. Là, tu m'offres l'opportunité. Sur l'âge d'or, moi j'avais fait des parties de cordes et il a transformé les cordes en cuivre. Le début m'avait l'air pas mal, hein ? Le morceau ça va. À la base, ça devait être joué par Marie au violon. Et Marie me dit, ouais, c'est sympa, mais je pense que ça serait pas du violon qu'il faudrait. Les thèmes étaient bien, mais elle pouvait le faire, mais elle disait, je pense que c'est pas ça. Et soudainement, je me suis dit, mais oui, mais parce que la référence musicale de Sava, c'est Donald Fagen, et c'est des cuivres. Donc je dis à Paul, écoute, si on transformait la partie de violon en cuivre. Et en fait, il a écrit, là, il a vraiment écrit ces parties de cuivre. Le morceau, il prend une montée, là, je t'en avoue pas. Mais alors, qui pour les cuivres? Et il se trouve que comme j'ai la chance de travailler, en tout cas ponctuellement, pour Michel Jonas, en faisant du merchandising, et qu'il tourne avec des cuivres, et pas des moindres, je me suis dit, bon, bah, l'occasion est trop belle, je les connais, je parle avec eux, c'est des personnes que j'admire, donc je tente le coup. Avec Eric, on travaille avec Bruno, on est sur la tournée de Michel Jonas, et Bruno fait du merchandising. Donc du coup, il m'a contacté pour monter cette équipe pour son beau disque. Donc après, Pierre m'a appelé. Pierre a appelé. Pierre m'a appelé après, ouais. Fabien, voilà, et l'affaire a été conclue. Je fais le doublage en bas, comme c'est écrit en fait. Que j'ai changé des octaves pour que ça sonne vraiment section. On va voir si ça marche. Merci de m'avoir pour ce projet, qui est un super projet. Et puis encore une fois, de jouer en live, là, ça fait du bien. Voilà. De jouer des copains, pas à la maison. Vu la référence de ces gens qui accompagnent Jonas, Eddie Mitchell, Hallyday, Goldman, Front, ils sont venus en studio. Il y avait double émotion, parce que pour moi c'était déjà l'émotion d'avoir les cuivres pour la première fois, d'avoir des monstres de musique. Ah, j'adore ça. Et en plus c'était en plein pendant le deuxième confinement. Nous on a ce qu'il faut, maintenant ouais. Tu peux bien nous en faire 5 ou 6 autres, on sera toujours contents. Hein, ouais. Ça fait du bien de travailler en cette période. Ouais. On est très content de travailler. Il y avait à la fois la joie de se retrouver en studio, eux ils avaient la joie de se retrouver entre eux, et il y avait cette joie d'enregistrer. Et c'était un moment de musique incroyable de voir, nous c'était des trucs de synthé, on se demandait si ça allait être juste, on n'a rien réajusté. Ce morceau j'en ai depuis des années celui-là, comme l'âge d'or. Et il existe enfin, avec cuivre en plus. Mais je te jure, écoute, la maquette originale c'est trop drôle quoi. On va essayer de le faire ça respirer parce que ça serait beaucoup mieux. Ouais. Alors, peut-être et lui le problème c'est que c'est grave, on va voir. Ouais. On monte un peu moins vite, du coup dans crescendo. D'accord. Oui, on fait ça. D'accord. Donc, tu sais qu'ils sont capables d'aller se plaindre au syndicat des musiciens, on ne nous laisse pas respirer. Laissez-nous respirer. Ils emmènent un playback, nos partitions, et après c'est à nous de rendre ce que l'arrangeur a écrit. Quoi. Et en tout cas, il a très bien écrit, bien arrangé et tout ça, donc il n'y a pas eu de problème. Ça parle. Quand c'est bien écrit, il n'y a pas de difficulté. Il y a la phrase magique. Quand tu t'adresses à des professionnels, tu n'es jamais emmerdé. C'est ça. C'est bon pour vous ? Impec. Vous m'écoutez ? Je crois que ça a été pour tous un souvenir, une émotion incroyable. Et voilà le travail. Bravo. Bien, bravo. Bravo à tout le monde. Bravo. Super.